Ces roches sont souvent beaucoup plus vieilles. Elle, à vrai dire, n'a que 150 millions d'années. Avant, ce n'était qu'un morceau d'un continent géant, le Gondwana. Quand le Gondwana s'est disloqué, l'Amérique du Sud s'est séparée de l'Afrique, et alors l'Afrique a vraiment commencé à exister. Depuis, elle se raconte en désert, en lac, en matière, en paysage. Au nord-ouest de l'Afrique, au Sénégal, à quelques centaines de mètres du rivage, un cordon de dunes isole de l'océan Atlantique une petite étendue d'eau, le lac Redba. Le lac Redba s'efface doucement. Son nom quitte les usages. On l'appelle désormais plus souvent le lac Rose. Depuis quelques années, le lac prend en plein cœur de la journée d'étonnantes couleurs. Plus le soleil est haut, plus la couleur du lac est intense. En fait, l'eau n'est pas colorée. C'est la réflexion du soleil dans des micro-organismes qui créent l'illusion. Les algues et les bactéries qui provoquent le phénomène se développent dans des eaux extrêmement salées. Le lac Redba est une vieille poche d'eau de mer aujourd'hui coupée de l'océan. Seules les pluies l'alimentent en eau douce et elles ne suffisent pas à diluer de façon significative le sel en suspension. L'eau en est saturée à raison de plus de 320 grammes par litre. C'est 10 fois plus que l'eau de mer. Les hommes ont mis à profit cette curiosité. Le lac Redba fait office de marais salant entièrement naturel. Le lac est exploité de façon artisanale. Les outils sont simples et la technique rudimentaire. Les femmes rassemblent le sel que les hommes vont chercher en grattant le fond du lac. Avant de s'immerger, ils s'enduisent le corps de beurre de karité, car l'eau est très corrosive. Au fil de la journée, les tasses amoncellent, mais chacun reconnaît facilement sa récolte. Un jour, les monts de sel disparaîtront des rives du lac Rose. Il n'y a au milieu du lac qu'1,50 m d'eau et sous l'eau la même épaisseur de sel. Personne ne peut dire quand le filon sera tari. Le sel a ses mystères. C'est une denrée ordinaire mais précieuse, blanche mais rouge, qui prend, là où on ne l'attend pas, des aspects insolites pour éclairer l'histoire de l'Afrique. Dans la langue Maa des Maasai, sel se dit Magadi. C'est comme cela qu'ils ont appelé cette étrange cuvette du sud du Kenya. Le lac Magadi, qui fait 20 km de long sur quelques kilomètres de large, n'est pas un lac ordinaire. C'est une sorte de récipient magique qui transforme l'eau à un rythme infernal et ne la laisse jamais longtemps à l'état liquide. La région est l'une des plus chaudes du Kenya.
Le lac serait asséché depuis longtemps s'il n'était alimenté que par les pluies. Mais une eau très particulière vient compenser celle qui s'évapore. Elle vient du fond du lac, d'où jaillissent des sources chaudes saturées de sels minéraux. Les motifs qui apparaissent en surface sont la reproduction des crevasses et des fissures par lesquelles l'eau s'échappe du fond rocheux. Les dépôts s'accumulent à une vitesse incroyable. Cette croûte blanche renferme un véritable trésor. Du sel, de la soude, de la potasse, dans des quantités qui semblent illimitées. Ce gisement, estimé à 200 millions de tonnes, est l'un des plus importants du monde. On l'exploite de façon industrielle et intense depuis le début du siècle, et il ne paraît pas diminuer. Au contraire, les dépôts s'accumulent plus rapidement qu'on ne les extrait. En 1962, les eaux du lac n'étaient ni bleues ni rouges, mais colorées d'une pâleur sinistre. Il flottait à la surface les cadavres de dizaines de milliers d'oiseaux. Il n'avait plus des trombes d'eau dans la région, et les flamands n'avaient pas pu faire leur nid comme d'habitude, en Tanzanie, au lac Natron. En nichant ici, juste à côté, à Magadi, ils ont condamné leurs petits. À peine sortis de l'œuf, les oisillons ont été surpris par ces eaux gluantes et sont restés prisonniers des dépôts poisseux du sodium. Les flamands reviennent toujours à Magadi, mais n'y nichent plus. Les lacs salins les attirent irrésistiblement parce qu'ils y trouvent une algue qui fait leur régal. Cette partie de l'Afrique est leur région préférée. Sur 400 km du nord au sud, il y a plusieurs lacs salins, de quoi nourrir des centaines de milliers de flamands. Cette colonie est la plus importante du monde. Elle se partage entre les lacs Nakuru et Bogoria. Elle va de l'un à l'autre de façon imprévisible. Ce qui reste un mystère pour les humains, et logique pour les oiseaux. Leur choix est le fruit d'une équation complexe aux facteurs multiples. Saison, évaporation, volume des pluies. Une seule chose importe en fait, le niveau du lac et son degré de salinité. Si c'est ni trop ni trop peu, les algues et les micro-organismes prospèrent. C'est à Bogoria, cette fois, que les flamands ont trouvé profusion de nourriture. La colonie est estimée à 500 000 individus. Le lac Bogoria est, comme le lac Magadi, salé et peu profond. Comme lui, il est parcouru de sources chaudes. Mais elles jaillissent ici à l'air libre, sur la rive occidentale du lac. Ce site a été découvert en 1885 par James Hannington, un évêque missionnaire qui partait prendre son poste en Ouganda. On peut imaginer sa surprise et la désillusion de son expédition. Ils étaient assoiffés et imaginaient trouver de l'eau fraîche sur les bords du lac.
Quelques geysers crachent l'eau chaude à une hauteur modeste. Ils ont l'aspect bon enfant, mais restent redoutables. Autour des geysers, le sol est extrêmement fragile. Il cède régulièrement sous les pas de curieux imprudents qui périssent ébouillantés. Par ces jaillissements d'eau brûlante, la Terre nous rappelle où nous sommes, en plein cœur d'une de ces déchirures, le Grand Rift. Le lac Bogoria s'est formé quand les eaux de ruissellement ont été emprisonnées par ces falaises. Elles se sont soudainement dressées ici, il y a 40 millions d'années, quand la surface de la Terre s'est rompue. Le continent africain s'est ouvert alors sur 6000 km du nord au sud, des rivages de la mer Rouge au Mozambique, créant un gigantesque fossé d'effondrement, une succession de failles parallèles et d'escarpements. La Rift Valley est la partie la plus spectaculaire, la plus directement lisible de ce phénomène géologique unique dans son ampleur. Le phénomène de déchirure s'est accompagné ici de toute une période d'activité volcanique hors du commun. En 30 millions d'années, en Éthiopie et au Kenya, plusieurs centaines de milliers de kilomètres cubes de lave et de cendres se sont déversés sur la vallée. Une quantité qui suffirait à couvrir l'Angleterre sous un manteau de 3 km d'épaisseur. Dans cette région, le paysage est tout entier dessiné par l'activité volcanique. Parfois, l'érosion a travaillé la matière. Certains reliefs ne cachent pas leur origine. Le mont Longonot, qui culmine à plus de 2800 mètres, est un modèle de volcan. Longonot vient d'un mot Maasai qui veut dire « montagne aux nombreuses saillies et escarpements ». Le mont Longonot est un volcan en sommeil. Cette partie de l'Afrique est parsemée d'une multitude de cônes volcaniques plus ou moins gros, plus ou moins endormis ou éteints. Il y en a 250 comme ceux-là, sur les flancs d'un volcan énorme, et somme toute, plutôt discret. Sa notoriété est ailleurs, c'est le toit du continent. Le sommet le plus haut d'Afrique, le Kilimandjaro. La montagne enneigée est en fait un vieux volcan somptueux de près de 6000 mètres de haut. Plus on approche du sommet, plus la végétation se fait rare, plus le Kilimandjaro révèle sa nature volcanique. Ses flancs ne sont bientôt plus que des éboulis et des déserts de lave. Le Kilimandjaro a commencé à surgir il y a 750 000 ans. Il s'est formé en plusieurs dizaines de milliers d'années. La matière volcanique sortait de trois cratères principaux, Shira, Kibo et Mawenzi.
Le Mawenzi ne fait pas penser à un volcan. Et pourtant, ses aiguilles alpines sont les restants érodés de son cratère. Thibaut a été le dernier à s'éteindre il y a 450 000 ans. Son cratère avait accumulé les laves sur près de 6 km de hauteur. En Tanzanie, à 300 km de là à vol d'oiseau, le Kilimandjaro a eu longtemps avant un frère jumeau. Un énorme volcan comme lui, mais dont le cône a été entièrement soufflé quand il a explosé il y a 2,5 millions d'années. Il ne reste plus que les parois tronquées des versants et le fond comblé de la vieille chaudière éteinte. On l'appelle depuis le grand trou, Ngorongoro dans la langue Maasai. L'explorateur allemand Oscar Baumann a découvert le site en 1892. Depuis la lèvre du cratère, il en fait une description enthousiaste. Les parois font 600 mètres de haut. Il y a 20 km d'une extrémité à l'autre. Baumann a découvert l'une des plus grandes caldeiras du monde. Mais il ne prendra la mesure de cette formidable merveille naturelle que lorsqu'il descendra au fond du cratère. C'est une sorte d'arche de Noé intacte, rescapée d'une époque que l'on croyait révolue. Les animaux sont incroyablement confiants et nombreux. Presque toutes les espèces sont représentées. Au début du XXe siècle, le cratère deviendra un lieu de prédilection pour chasseurs fortunés. L'un d'eux se vantera d'avoir abattu 12 rhinocéros en 3 jours. Le site a finalement été protégé avant qu'il ne soit trop tard. La densité animale reste exceptionnelle dans ce formidable amphithéâtre naturel où l'on pourrait mettre 3 fois la ville de Paris. Il y a 350 espèces d'oiseaux, plusieurs milliers d'herbivores et quelques centaines de prédateurs. On dénombre plus de 100 mammifères de grande taille au kilomètre carré. Depuis quelques centaines d'années, tous ces animaux partagent les points d'eau avec les troupeaux des Maasai. Ils n'ont rien à craindre de ces pasteurs nomades qui ne chassent qu'en cas de nécessité absolue. Quand le cratère a fait l'objet de mesures sévères de protection, les Maasai ont préservé le droit de venir y faire boire leurs troupeaux. C'est l'un des seuls endroits alentour où l'on trouve de l'eau en plein cœur de la saison sèche. Les parois du cratère forment une muraille naturelle qui exerce localement une influence sur le climat. Le sommet est le plus souvent baigné par une couronne de nuages qui s'interrompt mystérieusement à mi-pente. Cette masse nuageuse entretient toujours assez d'humidité pour hydrater une petite forêt tropicale qui borde le versant. Cette forêt joue un rôle fondamental dans l'équilibre de tout l'écosystème. Elle fonctionne un peu comme une grosse éponge qui se gorge d'eau à la saison des pluies et la restitue petit à petit au fur et à mesure qu'on avance dans la saison sèche.
pied du versant sud du cratère, les terres du vieux volcan rendent l'eau en telle abondance qu'un petit plan d'eau s'est formé. Le cratère rassemble sur une surface réduite une étonnante variété d'environnements. Chaque animal trouve son compte dans ce condensé d'Afrique. C'est comme un théâtre. En un seul lieu, une succession de tableaux, de décors, où se jouent quotidiennement les drames et les comédies de la vie. En dépit de ces parois abruptes, la plupart des espèces trouvent le moyen de rentrer et de sortir du cratère. Les lions, qui n'en voient pas la raison, restent sédentaires. Ils s'exposent à la consanguinité et à leur pire ennemi, la mouche. Dans les années 60, elles s'en sont prises à eux par millions, les piquant en si grand nombre qu'elles les ont littéralement vidées de leur sang. 4 lions sur 5 ont succombé à ces tueurs minuscules. Seules les girafes sont exclues du cratère magique. Elles restent en bordure du grand trou, ne s'y aventurent jamais. Sans doute qu'elles auraient du mal à y descendre, mais la raison est ailleurs. Le cratère n'offre guère d'acacia et c'est l'essentiel de leur régime alimentaire. Pour les girafes, il y a, à quelques kilomètres de là, 1000 endroits meilleurs. Les bords du lac Manyara ou la plaine du Serengeti, que le Ngorongoro en explosant a fertilisé autrefois de ses cendres. Tout est tranquille aujourd'hui dans cette partie de l'Afrique, et pourtant, le continent se déchire encore. C'est plus au nord, dans la grande dépression Afar, que le phénomène est le plus spectaculaire. La dépression Afar est une sorte de grande cuvette située au nord-est de l'Éthiopie, entre l'Érythrée et la Somalie. On est précisément ici au point de rencontre de 3 fractures, de 3 rifts. Le Grand Rift africain, la Mer Rouge, et le golfe d'Aden. Ils sont disposés à 120 degrés les uns par rapport aux autres et continuent à s'ouvrir, lentement. Sous les eaux de la mer Rouge et du golfe d'Aden, la faille s'écarte de 2 cm par an. Dans cette partie du monde, la croûte terrestre subit quotidiennement des contraintes extraordinaires. Il y a au cœur de la dépression un endroit où tout paraît encore plus perturbé, plus fragile qu'ailleurs. C'est le rift d'Assal, sur le territoire de Djibouti. Ici, la terre tremble tous les jours. Dans cette région, la croûte terrestre est terriblement amincie et fragilisée.
Déjà en surface, elle ne résiste pas au grand remue-ménage qui se prépare en profondeur. Ces fissures sont l'expression superficielle d'une activité souterraine inquiétante. Elles annoncent les bouleversements considérables qui affecteront un jour le rift nasal. Le rift occupe une bande de 100 km² entre le lac Assal et le golfe de Toujoura. La région est habituée aux événements spectaculaires. Un jour, deux véritables bombes sont sorties de la mer. Les îles du diable. La lave, en surgissant de fractures sous-marines, s'est littéralement vitrifiée au contact de l'eau. Ce paysage de fin du monde est un livre de vulcanologie à ciel ouvert. Sur fond de magma refroidi et de coulées sombres, se détachent les eaux lumineuses du lac Assal. Un lac littéralement extraordinaire. Le lac Assal couvrait, il y a à peine 6000 ans, une superficie de 1100 km², 20 fois celle qu'il occupe aujourd'hui. Sur l'escarpement qui surplombe le lac, on distingue des traces qui témoignent de la baisse du niveau des eaux. Le phénomène a été extrêmement rapide, 500 ans à peine. Le lac est devenu une véritable curiosité naturelle. Il est passé en dessous du niveau de la mer. Aujourd'hui, c'est le point le plus bas du continent africain. Il a une altitude moyenne négative de 150 mètres. Il y a 5500 ans, le lac a déposé sur son pourtour une large ceinture de gypse. Une matière sédimentaire qu'on utilise en particulier dans la fabrication du plâtre. Le gypse est une roche assez tendre, dont les cristaux habituellement brillants sont ici ternis par l'âge et la poussière. Des cristaux de même nature sont actuellement en train de se former en bordure du lac, sous une faible hauteur d'eau. C'est la sursaturation de l'eau en sel de calcium qui provoque ces formations et ces dépôts. L'accumulation du gypse aboutit à la création de petites banquettes qui se couvrent à leur tour de dépôts blancs. Le lac Assal est l'un des endroits les plus chauds du globe. La température extrêmement élevée favorise l'évaporation des eaux du lac, qui sont saturées aussi en sel de sodium. Le sel se dépose à l'état solide sous forme de cristaux de halite. Le halite, c'est en fait le sel de mer. Il se présente habituellement sous forme de petits cubes blancs, mais à Djibouti, certains ont une forme parfaitement sphérique. Il s'accumule en quantité incroyable au nord-ouest du lac, au point de constituer une véritable banquise.
Par endroits, la couche de sel atteint 60 mètres d'épaisseur. La formidable saturation en sel du lac Assal annonce un événement exceptionnel pour le continent africain. Ce sel vient tout droit de la mer. Elle alimente directement le lac Assal par une multitude de petites voies d'eau. Elles se sont ouvertes dans la croûte terrestre. Dans 2 millions d'années, la mer aura le dernier mot. Elle s'engouffrera ici et recouvrira ces laves qui séparent encore le golfe d'Aden du lac Assal. Beaucoup plus tard, l'évolution de la fracture aboutira au détachement et à l'isolement d'un nouveau continent. Le continent est-africain. Un événement annoncé dans 20 millions d'années. Deux millions, 20 millions d'années, c'est au-delà de la mesure humaine. Mais on trouve sur le continent des points de repère à cette chronologie infernale. Ceux-là sont à la pointe sud de l'Afrique. Ces roches nous apparaissent quasiment telles qu'elles étaient il y a 450 millions d'années. Elles se trouvent en Afrique du Sud, sur la péninsule du Cap. Les travaux effectués dans la roche à Chapman's Peak pour faire passer la route ont mis à jour cette coupe géologique extraordinaire. On voit parfaitement comment se sont déposées successivement les couches sédimentaires. Mais on constate surtout qu'elles sont parfaitement horizontales. Rien ne les a dérangées depuis l'ère primaire. La péninsule tout entière date de cette vieille époque. Seule la mer, jour après jour, remet en cause imperceptiblement des détails de cette longue arête qui s'allonge de 50 km vers le sud. C'est à Cape Point que s'interrompt la péninsule. On le considère souvent, à tort, comme la pointe extrême de l'Afrique, qui se trouve, en fait, plus bas au Cap des Aiguilles. Pourtant, pour des générations de marins, le symbole du passage d'un océan à l'autre est là, juste à côté, au Cap de Bonne-Espérance. Quelques heures avant de franchir le Cap de Bonne-Espérance, les navigateurs savaient qu'ils touchaient le bout de l'Afrique. Quand ils voyaient se dessiner la silhouette de cette montagne, au sommet si parfaitement plat qu'on l'appelle la table. La montagne de la table est en réalité la façade impressionnante de l'arête rocheuse qui parcourt toute la péninsule. À cet endroit, son sommet a été littéralement nettoyé de ses roches les plus tendres ou les plus cassantes pendant les périodes de gel de l'ère quaternaire. Il s'est dégagé une dalle horizontale à 1086 mètres au-dessus de l'océan. Le sommet de la table est souvent caché par les nuages. Si on en croit la légende,
C'est un concours de fumeurs de pipe qui oppose en permanence un vieux colon africaneur au diable. Le nuage est plus prosaïquement lié à un phénomène météorologique provoqué par un vent qui souffle du sud-est et qu'on appelle ici le docteur du Cap, parce qu'on dit qu'il a des vertus thérapeutiques. Ce site grandiose a décidément stimulé les imaginations. Chaque rocher un peu spectaculaire a un nom. À gauche de la table, c'est le pic du diable. À droite, la tête du lion. Il faut une longue période d'acclimatation, une lumière très favorable ou beaucoup de bonne volonté pour déceler l'animal dans ce pic rocheux. Les choses sont plus claires dans le retour occidental de la falaise. Une fois dénombrés tous les promontoires rocheux, on les a baptisés tout simplement les 12 apôtres. Les pentes de la table sont un immense jardin, où fleurissent plus de fleurs que nulle part ailleurs au monde. On a recensé en Afrique du Sud 22 000 espèces végétales différentes. Mais le petit territoire de la table compte à lui seul 1400 types de plantes à fleurs. Ces splendeurs qui rivalisent de couleurs pour séduire les botanistes du monde entier ont une concurrence inattendue, à quelques centaines de kilomètres de là, dans le pays voisin, la Namibie. Celle-ci est une fleur mâle, mais la femelle n'est pas pour elle. Elle est flétrie, semble en permanence à l'article de la mort, mais c'est sa nature. Les Afrikaners, qui l'avaient bien observé, l'ont appelé « deux feuilles qui ne peuvent mourir ». Effectivement, celle-ci a 1500 ans. C'est l'une des plus vieilles du monde. Mais certaines datent de l'époque du Christ. C'est un botaniste autrichien qui s'est intéressé le premier à cette curiosité végétale. C'était en 1859. Il lui a donné son nom. La Welwitschia ne vit que dans ces plaines caillouteuses et arides. On s'est longtemps demandé comment elle pouvait survivre à ce milieu hostile. On a cru d'abord que la plante allait chercher l'eau dans la nappe phréatique grâce à une racine pivotante gigantesque qui aurait atteint une centaine de mètres de long. En fait, sa racine ne dépasse pas 3 mètres. Elle se procure la plus grande partie de l'eau nécessaire à sa survie grâce au pores de ses feuilles qui captent la moindre condensation. Malgré son apparence enchevêtrée, la Welwitschia n'a que 2 feuilles. Leur extrémité se désagrège au fil des ans sous l'effet de la chaleur. Elle mesurerait autrement plusieurs centaines de mètres. Dans une région où la végétation est si maigre, on peut s'étonner que les Welwitschia ne soient pas dévorées dès l'origine par tel ou tel animal. Si la plante se défend bien, c'est grâce à son goût détestable. La Welwitschia réserve une dernière surprise.
Elle présente bien quelques caractéristiques des plantes à fleurs et des mousses, mais elle appartient en fait à la famille des conifères. On ne peut pas dire qu'ils abondent dans la région, mais on en trouve pourtant quelques exemplaires surprenants au nord-ouest du pays, dans la région de Corixas. Ils sont couchés, coupés ou à moitié enfouis. Certains mesurent plus de 30 mètres de long et font jusqu'à 6 mètres de circonférence. Bien que ces troncs datent de 260 millions d'années, l'écorce et la texture du bois sont intactes. Ces arbres sont en réalité pétrifiés. Le silicate a imprégné peu à peu les fibres du bois et les arbres ont quitté définitivement le règne végétal. Bizarrement, on n'a retrouvé aucune trace de racines ni de restes de branches. On en a déduit qu'il s'agissait sans doute de bois flottants, qu'ils auraient été apportés ici par une crue ou par les courants marins quand la mer submergeait partiellement cette région du Damaraland. Pour prendre encore une fois vraiment la mesure de l'âge de ces arbres, il faut aller juste à côté de cette forêt pétrifiée, près de Twyfelfontein, où 100 millions d'années plus tard se sont produits des bouleversements géologiques à l'origine d'une autre curiosité naturelle, une muraille de tuyaux d'orgue. Les géologues appellent tuyaux d'orgue ces colonnes de roches assemblées à base hexagonale. Ici, l'ensemble est exceptionnel. Les formes sont parfaites et les colonnes, qui atteignent 4 mètres de hauteur, composent une somptueuse sculpture naturelle de 100 mètres de long. Ces prismes ont été créés par le refroidissement brutal des laves au moment des éruptions volcaniques que la région a connues il y a 150 millions d'années. C'était le Jurassique. À cette époque, les cratères se répandaient sur l'Afrique et la couvraient par endroits d'un épais manteau basaltique. On peut voir ces couches de basalte affleurer au Zimbabwe, sur le cours du Zambèze. La pente est faible, l'eau s'écoule doucement. Elle délimite paisiblement une frontière. Rive gauche, c'est la Zambie, rive droite, le Zimbabwe. Le grand fleuve érode mollement la roche, sans savoir encore qu'en aval, le plateau basaltique va s'ouvrir brutalement et le précipiter 100 mètres plus bas. Seuls indices, une colonne de fumée et un bruit qui monte quand on approche. Le Zambèze chute d'un coup et révèle brutalement l'un des spectacles les plus impressionnants du continent, les chutes Victoria. Chaque minute, ce sont plusieurs centaines de millions de litres d'eau qui tombent dans l'abîme. La dénivellation est de 108 mètres au point le plus haut,
Mais c'est surtout la configuration de la chute qui étonne. Le fleuve se déverse dans un couloir étroit sur 1700 mètres de largeur. Les chutes Victoria sont les plus larges du monde. C'est du ciel qu'on voit le mieux le phénomène. Le fleuve immense qui s'écoule sur le plateau basaltique et se trouve soudain absorbé par une faille parfaitement perpendiculaire à son cours. Les tribus Makololo qui vivaient en amont des chutes l'appelaient Mozi Oa Tunia, ce qui dans leur dialecte veut dire la fumée qui s'élève. Les particules d'eau sont aspirées par un courant d'air ascendant jusqu'à une hauteur de 500 mètres. En retombant, elles créent une sorte de bruine qui baigne en permanence les abords de la chute. Cela génère un microclimat qui favorise une végétation luxuriante. Sur quelques centaines de mètres carrés, s'est développée une véritable petite jungle qu'on ne trouve nulle part ailleurs dans ce pays plutôt aride. On imagine combien ce spectacle a pu impressionner les tribus locales présentes dans cette région depuis plusieurs centaines de milliers d'années. Ce déchaînement de la force naturelle inspirait crainte et respect. Dans sa chute spectaculaire, l'élément liquide devenait divinité. Pour s'attirer ses bonnes grâces, on précipitait du bord de la falaise des malheureux en sacrifice. On a appelé les chutes Changwe à Manzatunkayo avant de leur donner le nom d'une reine d'Angleterre. L'explorateur David Livingstone a découvert ces cataractes en 1855, un jour de novembre. Un jour comme celui-là. C'était période de basses eaux. Le niveau du fleuve était quasiment à son minimum. Même au plus fort de la saison sèche, quand les eaux du Zambèze se rassemblent en bouillonnant au pied des cascades, elles impressionnent par leur pouvoir d'érosion. Pressé de rejoindre l'océan, le fleuve s'engage dans ses gorges sur des dizaines de kilomètres. Il creuse le basalte, taille la roche, en choisissant soigneusement ses parties les plus tendres. Plus bas, il rencontrera les pièges, les retenues, les barrages que les hommes ont dressés sur son cours, qui vont l'affaiblir, le dénaturer. Mais ici, le Zambèze exprime encore sa vraie nature, de grands fleuves d'Afrique.